Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour une nouvelle série sur Sins of a Solar Empire Rébellion. Alors c'est un peu un travail de commande, on va dire ça comme ça, un spécial dédicace à toi Willy. Tu m'as redonné envie de jouer à ce jeu qui est ma foi assez excellent. Il est vieux, c'est la troisième extension que j'ai en main, Rébellion, qui est sorti en 2012, donc je sais plus quand il est sorti le premier, mais ça fait un bail quoi. J'y avais joué. Pas mal à l'époque, ça a passablement changé, enfin il y a des choses en plus. J'ai à peine touché à cette version-là que j'avais depuis un moment, j'avais pas le temps d'y jouer. Bah voilà, Willy, tu m'as donné l'occasion de le faire. Et puis c'est une, on va dire, une semi-découverte. J'ai fait une partie l'autre jour pour me remettre en main un petit peu le jeu, qui est relativement facile à prendre en main, je dirais, par rapport à un Distant World Universe, ça c'est clair. C'est un mélange en fait de 4X et de STR à la Command & Conquer, si vous voulez bien. Et puis, bah, je sais pas, mieux vaut qu'on découvre ensemble plutôt qu'un long discours. Donc là, j'ai pris une partie en 2 contre 2 sur une carte de taille moyenne. Je joue évidemment avec l'IA, qui est ici, dans un système un petit peu plus éloigné. Il y a 3 étoiles, je peux pas encore y accéder parce que j'ai pas la technologie pour. Donc, technologie qui est ici, on peut en parler. Là, il y a différentes sections dans les recherches. Il y a les militaires, évidemment. Tout ce qui concerne la défense, avec par exemple, pour commencer, les hangars de défense avec les chasseurs qui se trouvent à côté de nos planètes. Les recherches civiles, que ce soit dans l'industrie, l'ingénierie ou la politique. Différents avantages. La diplomatie, que j'explore pas beaucoup, comme souvent dans ce genre de jeu, j'ai probablement tort. Avec différents vaisseaux qui peuvent donner différents bonus. Là, en l'occurrence, on a des équipes qui sont luckées. Donc, je ne sais pas si ça sera très important, la diplomatie, parce que le but, c'est de bourriner un tout petit peu, je vous l'avoue. J'ai mis comme condition de victoire, d'ailleurs, le fait de contrôler une planète qui sera relativement bien défendue pendant un certain temps. Donc, ce sera celui qui fera la plus grosse flotte et qui la gérera le mieux. Autrement, voilà, bon, bah, ça c'est l'onglet diplomatie. Ce que je vous disais, donc je suis allié avec eux. Il y a 3 différentes factions, 3 grandes factions, en fait 6 avec cette extension. Il y a les Tech, les Vassari et les. Ah, mince, j'ai un trou pour la troisième faction qui est Alien et qui sont subdivisées en version loyaliste et en version rebelle avec différents vaisseaux. Donc finalement, il y a 6 races différentes. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux vous montrer. Bon, ça c'est encore des histoires diplomatiques. Là, les pirates, il n'y en aura pas. Ce qui est intéressant, c'est là, c'est le marché noir. C'est les ressources qu'on peut soit vendre, soit acheter. En l'occurrence, vendre et acheter. Les ressources, donc, il y a le cristal, le métal, et puis les crédits, enfin l'or, ce que vous voulez, enfin l'argent, le flouze, le pognon. Et ça permettra évidemment d'acheter des bases, de les construire, de faire des vaisseaux, etc., etc. Et puis on peut ajuster suivant nos besoins en vendant ou en achetant ici au niveau du marché noir. Là c'est la planète neutre qui reste encore à découvrir pour la condition de victoire. Ici, tout du long, j'aurai un menu déroulant avec mes planètes et mes flottes. Là j'en ai qu'une, mon système de départ, Tekla, voilà, planète continentale. Donc on a des astéroïdes autour des planètes qu'il faut exploiter afin d'obtenir des ressources, en l'occurrence là des extracteurs de métal et de cristal. Là il y a les différentes structures qu'on peut aménager, là c'est une usine de vaisseaux capitaux, ça sonne pas très bien en français vaisseaux capitaux, enfin capital ship on se comprend. Une usine de frégates, là il y en a deux en l'occurrence. J'ai mis un départ avec 2-3 structures en plus, histoire d'accélérer le processus. Dès que je clique sur la planète, j'ai l'onglet de contrôle. Ici il y a les améliorations de planète pour les infrastructures civiles. Plus il y en a, plus il y a de gens et plus il y a de revenus au niveau des taxes. Ça c'est les structures d'urgence en cas de bombardement planétaire pour sauvegarder de la pop. Là, je vais profiter pour augmenter ma capacité logistique, ce qui me permet de construire plus de structures autour. Je vais commencer par mettre un laboratoire militaire, et puis un laboratoire... Tiens, ça ne veut pas se construire, peut-être parce que je suis en pause. Alors, c'est l'occasion de lever la pause. Et je ne peux pas construire parce que j'ai pas assez de ressources pour l'instant de cristal. Donc ce que je vais faire, je vais en acheter un petit peu.
et on va lui dire de construire un deuxième laboratoire, cette fois un civil. Parce que, en recherche militaire, je peux débloquer uniquement les premières recherches si j'ai un laboratoire militaire, puis après 2, 3, etc. Voilà. C'est construit en voie de construction, donc ce qu'on va demander pour construction, on va commencer par... Ouais, les corvettes Shrinken, c'est pas mal comme petit vaisseau de combat au départ. Amplification laser, ça on va faire tout à l'heure, mais j'ai pas les ressources. Je peux vendre un petit peu de métal en l'occurrence. Et puis hop, je lance la recherche sur les lasers. Au niveau civil, je peux améliorer la capacité des extracteurs. Donc je peux mettre les recherches en file d'attente, mais il faut que j'aie les ressources nécessaires. Voilà, les développements planétaires sont terminés, on me le signale. Donc c'était la capacité logistique en plus. Là, j'accède à la construction de vaisseaux capitaux. Là, j'en ai à disposition 6 différents. Il est gratuit, le premier. Donc moi, j'aime bien le Battleship Call. Il est assez polyvalent. Il y en a, ça c'est pour le bombardement planétaire, le Marza. Il y en a un qui peut coloniser ce ferreur. Armistice Colonize, voilà, c'est lui, c'est le Battlecruiser Akan. Ça peut être pas mal, ça aussi. Allez, on va partir là-dessus. Et puis là, il va être construit ici. Voilà, il est en voie de. Là, en cliquant sur la planète, donc j'ai accès à tous les types de constructions possibles. Ici, ça c'est les frégates. Alors il faut que j'envoie à explorer un petit peu là. Je parle, mais c'est important de s'expandre rapidement. Ils attendent pas vraiment les autres. J'aurais dû faire ça plus rapidement. Vous voyez là, ça bouge déjà. Il a déjà construit son vaisseau capital. Enfin, son capital ship, son vaisseau capital, putain. Alors. Ça construit, ça construit. Colonie frégate, ça je vais en faire une. Frégate légère, on va s'en faire déjà deux. Voilà, les sauts sont en cours. On a trouvé de quoi coloniser, mais là il y a deux petits vaisseaux. Ennemis, en fait, ils vont me foncer dessus. Donc, je suis tout seul avec une corvette de. Enfin, une frégate de reconnaissance. Là aussi. Donc, on va se construire vite une petite flotte. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on a une planète. Planète naine. On va envoyer déjà notre capital ship là-bas. Alors, il peut avoir des chasseurs. On va en construire. Donc les ressources, elles vont un peu plus vite hein, avec ce que j'ai configuré. Là, c'est la capacité de ma flotte. Je peux l'augmenter, en fait, ici, dans les logistiques de flotte. Mais ça augmente l'entretien, l'upkeep, qui passe de 0% à 9%. Bon, pour l'instant, j'en ai... Ouais. Allez, hop, on y va quand même, parce que ça prend du temps. Pas tant que ça. Voilà, donc là... Mes vaisseaux vont tout de suite attaquer. C'est mon vaisseau. Enfin, Capital Ship qui a différentes capacités. Là, je vais prendre la colonisation. Je prendrai des capacités offensives plus tard. Ok, c'est parti. Là, j'ai un vaisseau de colonisation qui est là. Il faut que je construise un tout petit peu plus de vaisseaux militaires. Ça, c'est les croiseurs. Donc, j'ai pas encore fait les recherches pour les débloquer. Donc, les premiers croiseurs que je peux avoir... Ici, bon, là, c'est une frégate qui lance des missiles, la Javelis. Un petit écran noir. Que se passe-t-il ? Alors voilà, on est de retour, c'était le câble HDMI qui était en train de se débrancher, super. Surtout que je croyais avoir mis le jeu en pause, mais ça a avancé pendant 2 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est rattrapable. Pendant ce temps, ma petite flotte a bousillé les deux mecs qui traînaient par là. Donc on va coloniser la planète. Ah bah c'est fait en fait, il l'a fait automatiquement. Là je suis en pause. Ok,
Ok. Alors, on a acquis un nouveau système. Mes alliés en ont déjà un. Ils ont déjà bien exploré. Nous, ce qu'on va faire, on va envoyer quelques vaisseaux ici. Et puis, on va leur dire d'avancer, eux, au prochain système. C'est une planète désertique. D'ailleurs, je vais vérifier si j'ai besoin d'une recherche pour ça. Planète désertique. Ça, c'est quoi? Advanced Civic Design. Arctique. Volcanique. Alors, peut-être que désertique, j'ai pas besoin. On va voir ça assez rapidement. Donc, on lève la pause. Ils sont en route. Alors, qu'est-ce que je peux construire là? Voilà, des corvettes Shrimken. Petit peu plus de force de frappe avec des cobalt. Ouais, ça va quand même assez vite, hein, la récolte de ressources. Ce qui veut dire que pour l'IA aussi, je sais pas si je vais pas me faire prendre de vitesse. Je mets quelques défenses autour de ma planète. Ça va être construit par ce petit vaisseau, au passage. Ok. Donc là, il y a deux vaisseaux. Bon, elle est toute seule, là. Ma petite Javelis, Ferreur. Non, Cobalt, pardon. Voilà, les renforts arrivent. Ah, mais bon, ça, c'est des scouts, hein. C'est pas terrible. C'est pas des vaisseaux de combat. On va envoyer tout ça. Ça construit assez vite, hein. Vous voyez, là, j'ai déjà les Cobalt et puis les Shrinken que j'ai commandés. Les autres y sautent. Là, je peux développer un peu la planète. Construire notamment un extracteur. Et puis, on va faire encore de quoi faire de la recherche. Alors, il faut que j'agrandisse la capacité de la planète. Voilà. Alors, là, ça se bat. Voilà, j'ai mes petites corvettes Shrinken là qui sont très rapides. Des allers-retours, voilà, ils sont en train de démolir. C'est quoi ça? Oh, c'est une frégate Krossov. C'est pour le. Oula, c'est quoi tout ça? Là, il y a du monde. Ça, c'est des croiseurs Kodiak, c'est assez gros. Alors, il y a mon capital ship qui s'en charge. Je sais pas s'ils vont être assez pour tout ça. Ouais, j'ai quand même un capital ship. Hein. Planet development finished. Pourrait construire encore. Ouais, là je manque de métal. Pas beaucoup d'argent non plus. Structure complete. Alors je vends un peu de cristal, comme ça j'achète un peu de métal. Bon. Comment ça se passe de ce côté? Ça se Structure passe bien. complete. Donc Reporting là for sur ma duty. planète, j'ai un Ready for colonisateur, orders. on va l'envoyer là-bas. Il est mort, c'est très bien. I need some excitement. Donc on va envoyer cette flotte là-bas. Ah non, je suis bête, pas là-bas. Là. On soutient. Bah oui. Ça va, Capital Ship, hein, il a ses shields qui sont encore à fond. Bon là par contre, elle est morte. Bah il est tout seul maintenant contre tous ces vaisseaux-là. Il devrait résister normalement. Le temps que le reste de la flotte arrive. Alors j'ai mon colonisateur qui va aller directement coloniser cet astéroïde. Il y a quand même 3 points de ressources ici. Allez, hop. How can I be of service? Le TDN Callisto. Classe Akan. Voilà, on peut en profiter pour regarder d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, il n'a pas encore d'autres capacités spéciales à part la colonisation. Bon, ça tient la route. Les shields ont quand même pris, ils sont à moitié là. Hein. Mais les renforts sont là. Allez, hop. Alors, nouvelle colonie, ici. Donc, on accroît
un petit peu les capacités logistiques et puis aussi le nombre d'habitants. Parce que là, on voit que ici en bas à droite, dans le résumé des crédits, je perds à Roella 2,4 par seconde. Et c'est ici, oui. Donc bah, c'est normal, elle vient d'être fondée, donc il faut un peu d'investissement. Alors, ici, ça, voilà, c'est en train d'être nettoyé, les quelques vaisseaux qui restent. Le croiseur Kodiak est en train de se faire défoncer. Voilà, le TBM Talisto, tranquille, même pas égratigné, même si là, c'est des piliers qui sont un tiers là. Un peu du temps pour le descendre complètement. Allez. Bon là c'est à peine une escarmouche. Hein. Je sais pas combien on peut mettre de vaisseaux, mais beaucoup. Hein. Dans des flottes qui arrivent. C'était assez épique, je m'en souviens. Là, le Kodiak va tomber. Tu pourras coloniser la planète dans la foulée. Normalement, si il a assez d'antimatière, c'est la ressource bleue là, dans le résumé à droite. Ah, il vient de prendre un niveau, donc on va lui donner le Iron Bolt. C'est pour cibler les vaisseaux capitaux, les frégates, et puis structure et corvette. Tac. Donc ça désactive certaines capacités spéciales. Donc lui, il va directement coloniser la planète. Regardez comment il fait. Voilà, il balance des petits pods. Et c'est bon, on a la planète. Donc, hop, on construit des extracteurs. Ça se reflète aussi, là en bas, je gagne au niveau du cristal 1,8 secondes. 1,8 secondes pour les métaux. Et puis 11,6 pour les revenus en crédit. Ok, 4 systèmes. Là, il y a du volcanique. Ce serait pas mal que je développe ça. Donc, pour aller au volcanique. Comment on faisait? Ah, il faut que j'aie deux structures de recherche civique. Bon, de toute manière, on va améliorer tout ça. J'ai pas de structure de recherche civique. Hein. Je croyais que j'avais construit ça. Bon, on va en faire une militaire par là. Et là, j'ai même pas construit d'extracteur. Pas bien, pas bien. Ah, j'avais fait militaire. Je suis en train de faire tout militaire. Je vends un peu. Civique. Voilà. Enfin, civil. Donc, ici, ah, il y a des pirates là. Je crois que je les avais enlevés. Bon. Ok. Ensuite, les autres ils sont là-bas. Ils n'ont pas l'air de se développer beaucoup, hein. Bon. Et là il y a encore un autre système plus loin. Ok, donc les planètes qui vont être un peu chaudes, ça va être dans cette zone-là. C'est là où tout le monde va se rencontrer. On va essayer de tirer sur cette planète volcanique là. J'ai déjà envoyé ma petite flotte dans le coin. Et puis là. Est-ce que je. Non, je vais me garder. Je vais construire toutes les infrastructures, peut-être là-bas. Alors maintenant, est-ce que je peux rechercher, voilà, les volcaniques. Comme ça. Ok, nickel. Là, j'aimerais acheter ça. C'est pour avoir plus de vaisseaux, enfin de capital ship. Alors ça va me coûter 1200. Ouais, je suis à 300, donc c'est pas encore pour tout de suite. C'est donc pour agrandir la capacité de ma flotte. Colonisateur, je peux l'envoyer là-bas. Allez, tout hasard, je sais même pas s'il y a des ennemis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Penia Space Junk, donc débris spatiaux. Alors, ils sont attaqués, mes alliés. Bon, tant pis, ils se démerdent pour l'instant. Là, j'ai mes petites corvettes qui sont parties vers cette planète volcanique, vers Zikina.
Donc là en bas, vous voyez qu'il y a 590 secondes, il y avait des scouts Tarkova de la part des rebelles, parce que je me bats contre les rebelles. All hands, prepare for phase jump. Mais c'était il y a déjà un bon moment. On va voir ce qui s'y passe maintenant. Bon, il y a quelques vaisseaux neutres ou pirates. Voilà. On va laisser la flotte s'en occuper. Alors, au niveau recherche militaire. Oui, les prototypes pêcherons, c'est des porte-avions. Ah oui, les Garda. Our fleet is under attack. Ah bon? Ah oui, bah oui, c'est là-bas. Ça devrait aller. Je peux accélérer le temps aussi jusqu'à x8, hein, au passage. Pas besoin d'aller trop vite pour l'instant. Donc là en bas, il y a le résumé de ce qui se passe. Vous voyez que là, ils sont en train de prendre cher en face. Donc, est-ce qu'il pourra coloniser droit derrière? Ça lui coûte combien l'antimatière? L'antimatière cost 90. Et actuellement, il est à 110. Donc, c'est bon. Une fois qu'il aura attaqué tout le monde, il va coloniser cette planète. Mais il ne pourra pas le faire parce que j'ai pas encore débloqué la recherche volcanique. Enfin, pour l'exploitation des planètes volcaniques. Parce qu'il est en train de faire actuellement Deep Core Metal Mining, donc pour améliorer ma capacité à miner du métal. D'ailleurs, je l'ai déjà augmenté un peu, voilà, je suis à 3,3 par seconde, je crois qu'on était à 1,6 quand on a regardé la dernière fois. Là, on est à 2,2 secondes, et là, à 12,2, c'est le revenu. Voilà, la recherche est terminée, donc je devrais, voilà, je commence, là, je suis à 4% pour le volcanique. Ça va, ça va. Je sais pas si je vais prendre l'autre planète là après. Porta ou aller directement en face faire caquer. Bon, je sais pas. Pourtant j'ai pris du retard. Hein. J'ai au moins 2-3 minutes où j'ai rien fait parce que mon écran s'était débranché. On va voir, on va voir. Ça se passe bien. Give the order. Ça c'est quoi? C'est encore deux petits vaisseaux en plus. Oups là, je me perds un peu. On va les envoyer là-bas. Yes, sir. Donc la recherche, ça avance au niveau là, volcanique. Après, on va leur dire un peu plus pour le métal. Ah, le cristal, pardon. Au niveau défense, j'aime bien avoir à disposition le hangar de défense. C'est pour balancer des chasseurs. Puis au niveau militaire, on va améliorer les coques. Ça, c'est... Ah, comment c'est des munitions améliorées qui les envoie envers tout ce que ça améliore, le Battleship Call, Flak Garda, les Flak Garda, voilà, c'est ça que je voulais rechercher tout à l'heure. C'est une frégate de combat. C'est bon, j'ai à disposition le percheron normalement, ici dans mes croiseurs. Voilà, j'ai juste pas assez d'argent pour l'instant. On va vendre un petit peu de métal, j'ai en surplus, voilà, on va faire un percheron. Research complete. Ok. Alors écoutez, bah, je crois que pour ce premier épisode, on a fait le début de partie. Vous voyez comment ça se développe gentiment. Comment on a dessiné la map. Hop. La confrontation avec les deux autres factions qui sont en face. Qui se préparent gentiment. Je me demande si le système que je dois contrôler se trouve pas en fait là sur cette étoile là. Je pourrais pas aller visiter cette étoile tant que j'aurais pas débloqué ici le long range jumps qui me permet de sauter d'étoile en étoile et pas seulement simplement de planète en planète. Donc voilà, c'était DRK36 sur Sins of Solar Empire Rebellion. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, etc. À très bientôt. Ciao.